الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons parler aujourd'hui à ceux qui signent les contrats avec le diable, ceux qui pactisent avec le diable. Alors, comment ça marche? Celui qui veut se marier aujourd'hui, il va voir un charlatan, un sorcier, un marabout, un soi-disant pasteur. Celui qui veut faire un voyage aujourd'hui, c'est la même chose. Celui qui veut ouvrir un commerce, un business, il va aller voir ces gens-là. Ils vont d'abord t'assigner un diable. Ce diable-là, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? Il va essayer de t'aider à ta manière. Bien sachant bien que le diable ne peut pas aider, il faut faire confiance à ton Dieu. C'est Dieu qui peut aider. Mais puisque toi, tu as laissé Dieu, tu as minimisé Dieu, tu as allé te confier au diable, alors le diable va s'amuser avec toi. Il va dire ce qui a marché, là, c'est lui qui a fait marcher. Alors, je t'ai aidé, tu as dit ça, donne ma part. Et tu es obligé de payer. Comment on paye aussi le diable? Comment on paye les djinns? Ça veut dire que lui, il t'a aidé. D'abord, tu allais lui faire des sacrifices bizarres là, des sacrifices anti-islamiques, des sacrifices vraiment sataniques pour que lui t'aide. Il soit disant t'aider, mais bien qu'il ne peut pas t'aider. Mais en retour, il va te dire, mais lui t'a aidé, il faut payer. Comment tu vas le payer? C'est pas avec de l'argent que tu vas rembourser, tu vas payer les crédits du diable. Non, et il va regarder pour puiser dans ton intelligence, dans l'intelligence de tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans toi-même ta vie, dans ta santé. Et c'est comme ça que le diable va se faire payer avec toi. Et souvent, une fois il prélève dans ta vie, il va prélever dans la vie de tes enfants, il va continuer à prélever dans la vie des petits-enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Généralement, quand les gens viennent se soigner, c'est nous. Alors, on leur dit qu'ils ont des pactes, c'est-à-dire qu'ils ont les pactes avec le diable, ils ne comprennent pas. Certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes savent que ce sont eux-mêmes qui sont allés voir les marabouts, les charlatans pour faire les pactes. Mais certaines personnes ne comprennent pas. Ils se trouvent en ce moment que c'est leurs parents, leurs grands-parents qui ont signé les pactes avec le diable. Et le diable, qui a longtemps à vivre, continue de te demander les comptes. Alors, moi, j'étais avec tes parents, j'étais avec tes grands-parents et ils me faisaient tel sacrifice, ils m'adoraient par telle manière, par telle autre manière. Il faut continuer à m'adorer sans quoi moi je ne suis pas d'accord. Et tu es obligé de continuer à faire des sacrifices bizarres au diable. Et si tu arrêtes, il va te créer des problèmes. Et si tu continues aussi, il va continuer aussi à te créer des problèmes. Allah nous a bien prévenus. Inna shaitana lakum adou fattakhizuhu adouwa. Inna ma yadou hizbahu liyakun min ashab sa'id. Le Satan est notre ennemi. Ne prenez pas, ne considérez pas votre ennemi comme votre allié, votre ami. Si vous le considérez, c'est que vous allez payer, vous êtes responsable de ça, puisque Allah nous a déjà prévenu qu'il est notre ennemi évident. Alors donc, quand vous allez aller voir ces gens-là qui vont vous attacher des griffes, c'est des fétiches, et ils vont vous faire des sacrifices bizarres, c'est des fétiches, et c'est l'adoration au diable, ils vont vous faire accrocher des choses à la taille devant vos magasins, ils vont vous faire enterrer des choses, souvent ils vont écrire des choses bizarres, vous allez vous frotter avec, ça ce sont des fétiches qui sont en train de... Et vous alliez comme ça au diable, et vous êtes le responsable... Qui allait porter cette responsabilité devant vos enfants, devant vos petits-enfants. Et pour ceux qui se considèrent aussi comme des religieux, il faut savoir qu'à partir du moment que tu fais ça, le diable, qu'est-ce qu'il cherche? Ce que tu fais pour Allah, il faut détourner un peu, tu vas faire pour lui. Et quand tu vas faire ça pour lui, même si tu continues d'aller à la mer, tu continues de prier, tu continues de jeûner, tu continues de faire les aumônes, à partir du moment que tu as fait les shirk, Allah fait tomber tout ce que tu fais pour lui. Si tu fais l'association à l'adoration d'Allah, Allah fait tomber tout ce que tu as fait pour lui. Il n'a pas besoin que tu l'associes encore mieux, l'associer encore avec le diable. Alors, donc, il faut savoir que devant Dieu, tu n'as rien. Donc, deuxièmement, tu vas payer devant le diable. Premièrement, tu n'as rien devant Allah. Deuxièmement, tu vas payer aussi encore avec le diable. En plus de cela, tu as sacrifié ta descendance comme ça. Alors donc, nous vous conseillons à ne pas aller voir, c'est le diable, à ne pas, ça peut être des petites choses, des simples bagues que tu vas accrocher au doigt, mais c'est un pacte. Ça peut être des choses que tu vas accrocher à la taille, c'est des pactes. Ça peut être des vins qu'on va te dire d'aller verser sur la terre, dans l'eau, aller verser même de l'air dans l'eau, aller verser de vivres sur le carrefour, aussi de se dire, si c'est comme ça le pacte avec le diable. Ou on va te demander de te frotter avec le lait et puis tu vas le casser sur le carrefour. Ça va servir à quoi? Humainement parlant, c'est le diable que tu es en train d'adorer comme ça. Arrêtez de faire ces choses-là. Heureusement que nous sommes là, il y a là toujours la possibilité. Pour ceux qui savent lire le Coran, vous prenez le verset 1 de la sourate 9,
Bara'atum min Allahi wa rasulihi lillazina ahatum min al-mushrikeen. Répétez ça plus de 100 fois, plus de 100 fois. Dans l'eau, vous allez en boire, vous lavez avec, et puis arrêtez de faire ces choses-là. Ça va couper les pactes qui vous lient avec les diables. Pour ceux aussi qui savent aussi lire le français, qui ne sont pas musulmans, vous pouvez aussi faire la même chose. Prenez le premier verset des sourates 9. En français, vous répétez ça, répétez ça, répétez ça. Dans l'eau, vous allez en boire et puis vous lavez. C'est une prière que vous faites dans l'eau. L'eau va devenir médicament. Vous allez en boire et puis vous lavez. Vous pouvez faire aussi les formes des siècles aussi. Baratum nala wa rasuli lalatine ahatum nal musrikin. Alors, ça va briser les pactes qui vous lient avec ces méchants, ces diaboliques-là, et vous serez désormais tranquille. Alors, pour ceux qui veulent encore plus des informations, vous pouvez aller nous joindre sur www.rukyakorangiri.com, YouTube, Facebook ou encore au 225 59 00 1059. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.